On a des types qui arrivent sur un tatami, c'est des types musclés. Ils sont grands, ils sont bien faits, on sait qu'ils sont très dynamiques, etc. Mais ces gens-là, on les envoie voler très facilement parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que quand on est musclé du haut, on est lourd. Par conséquent, dès qu'on penche quelqu'un de lourd, il va tomber. Donc on va s'arranger pour qu'il penche à un moment ou à un autre, soit pour lui saisir, etc. Puis on va amplifier le mouvement et badaboum. Voilà. Et une fois qu'il est au sol, comme il est lourd, il va avoir du mal à se relever. C'est comme cela que ça fonctionne. Et pour se relever, il va poser une main quelque part. On va prendre le bras, on va casser. Enfin, ou enlever l'appui et mettre un genou à la place, si on fait vraiment dans le hard. Il m'est arrivé de me sauver la paillasse comme ça. C'est-à-dire, tu enlèves, t'as un mec qui est de costaud comme ça, tu enlèves un bras, il perd l'équilibre, il tombe, parce que tu as mis ton genou, il tombe le coup sur le genou, c'est terminé. Il a beau être costaud, il est mort. Donc c'est ça. C'est cette manière de voir les choses qui fait que ça fonctionne. Voir ce qui te maintient en vie, c'est ça la chose principale. Remarquez que beaucoup d'arts martiaux, les saluts se font comme chez les kathos quand ils prient. Vous avez par exemple celui des... C'est kung-fu, ça veut dire attaque-défense. Ça veut dire une force empêche une autre. C'est tout cela. C'est-à-dire ouvert-fermé. C'est comme om. Om, c'est ouvert-fermé. C'est de cette essence-là, c'est le langage des anciens. Et pourquoi c'est intéressant de montrer que les coudes sont à même hauteur dans le prolongement, là. Calculerez cet angle-là, vous serez instruit de la chose.